Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 novembre. Il est bientôt 10h30 et je vous amène au quartier du Buisson. Venez. Je vous amène ici. Allez, maintenant suivez-moi, il faut aller au bout de cette avenue. Venez, regardez à nos pieds. Là, il y avait un arbre. Il a été enlevé, déraciné. Et du goudron l'a remplacé. Et du gravier. Maintenant, continuons. Je vais vous montrer autre chose qui est très intéressant. Tiens, encore ici, un arbre qui a été supprimé. Ici encore. Un arbre de moins. Tant il y a de l'herbe, c'est pas mal. Maintenant, il nous faut changer de côté et traverser. Il y avait des arbres. Maintenant, suivez-moi, nous arrivons à ce que je veux vous montrer. Voici. Je trouve ça super. Un arbre a été enlevé, déraciné, et le propriétaire d'une des villas a planté de la lavande et des fleurs. Je trouve cette idée superbe. Allez, maintenant, nous retournons, rebroussons chemin. En revenant sur nos pas, nous allons pouvoir continuer à observer combien d'arbres ont été déracinés et le goudron l'a remplacé. En arrivant près de ce trottoir, regardez sur la droite, un arbre en moins et du goudron en plus. Allez, nous remontons l'avenue du Buisson. Encore à nos pieds, du goudron et un arbre en moins. Encore ici, du goudron en plus et un arbre en moins. Et celui-là, le pauvre, a l'air malade. Et encore ici, un arbre de moins. Regardez encore ici, un arbre a été supprimé, le goudron l'a remplacé. Et ici encore, les arbres supprimés. Nous voilà revenus. Voilà, c'était ma vidéo de ce mercredi 14 novembre pour vous montrer et féliciter ce qu'a fait un habitant du Buisson pour conserver de la verdure devant sa maison.
et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michonneux. À bientôt.